Mobilib, il s'agit d'un projet de mobilité électrique. En fait, suite à une formation en 2018 en Savoie, j'ai rencontré la société Clean Energy Planet, qui sont eux, certifiés dans tout ce qui est les vélos à assistance électrique. Et donc, nous avons répondu en copartenariat sur un projet de l'ADEME. Et donc, ce projet a été financé parce qu'il y avait une grande partie d'autonomie énergétique pour pouvoir recharger ces vélos. Et donc, voilà, c'est l'aboutissement de tout ce partenariat, d'un financement pratiquement à 100% de l'ADEME. Et donc, aujourd'hui, le projet est en train de prendre jour et normalement, au mois de juillet, il sera viable. Les gens pourront arriver sur le bateau au port de Marie-Guerlande et pouvoir louer un vélo assistance électrique et faire le tour de Marie-Guerlande. Donc, Jay Hudnall, je suis le créateur d'une petite société T-Eol qui est en Valence en France, qui fabrique les petites éoliennes avec les personnes depuis presque 20 ans. Patrick Saint-Victor de la Dominique, c'est représentant des gouvernements, agences gouvernement Invest Dominique Authority. Et aujourd'hui, ça a fait moi plaisir d'être sur la Marie-Guerlande pour Journée de la Terre. Par rapport au chauffe-eau, on a au moins 30% quand même d'économie par rapport à la facture EDF. Et par rapport à la citerne, beaucoup plus. On peut aller jusqu'à 50%. Tout dépend de ce qu'on fait avec. Par exemple, on a des gens qui utilisent de l'eau potable pour irriguer un jardin. Faut savoir aussi que les WC consomment énormément d'eau. 51% de la consommation quotidienne vient de cela. Donc, utiliser justement cette solution écologique pour pouvoir au quotidien faire des économies. Voilà. Bonjour, je suis André de la société écologique. On est sur Jarry. On est là pour la Journée de la Terre à Marie-Galante parce que c'est une île magnifique avant tout. Et j'estime que cette petite île a besoin d'avoir des scooters électriques et des petites motos électriques. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des scooters qui se chargent sur n'importe quelle prise électrique, de votre maison comme de votre travail. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a de l'autonomie et ça a de la puissance aussi. Donc on vient de tester sur Marie-Galante, on a fait le Morne, les Pères, on a été partout, on est passé, c'était extraordinaire. Ces petites motos aussi ne sont pas très lourdes, elles sont légères. Ce qui est bien aussi, c'est qu'elles ont de bons klaxons, parce qu'on dit qu'elles ne font pas de bruit, mais c'est une pollution sonore, elle n'a pas, et ça c'est bien. Et ce qu'on aime aussi avec, c'est facile à manier. Ça se pilote à partir de 14 ans, avec le BSR, SSR, SSR. Et aussi, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un véhicule qui ne pollue pas, qui a zéro émission de CO2, donc c'est pour ça qu'on est là, et que j'estime que c'est l'avenir. Alors, je vous invite à venir nous voir à Jarry.